L'agneau sans tache, c'est lui, Jésus-Christ. Il est le Dieu incarné, mon frère, ma sœur. Il a pris ta place au bois du calvaire. Une couronne de pines sur sa tête et une grosse croix monte à Golgotha. Nous sommes à l'aéroport, nous sommes venus à accueillir la CRTT qui est déjà à Goma. Le concert est prévu pour les 6 à Goma et vous aurez également des informations concernant l'arrivée de CRTT. Voilà, on continue avec cette vidéo. Vous êtes bienvenus. Merci. Alors, vous êtes à Goma, bienvenue, Karim Sana. Qu'est-ce qui explique la présence de CRTT? On est là pour une série de concerts. Nous sommes venus évangéliser au travers de la chanson. On a une tournée qui va commencer déjà ce 28 à Beni. On va faire Beni, Butembo, Goma et Bukavu. Si possible, on va aller terminer notre tournée à Kigali. Donc la CRTT est venue pour ça. Déjà pour Goma, ça sera le 6 décembre à la salle Mouvito, LG Mouvito, à partir de 14h30. Donc pour Beni, on sera à l'hôtel Beni, c'est là qu'on sera, je crois à partir de samedi, 14h30 aussi. Tembo, ça sera les dimanches, à l'église de Pasteur Kamat, et à Bukavu, ça sera à Saint-Ignace. On sera là aussi à partir de 14h30, en face de la DGM. Alors qu'est-ce que vous promettez au peuple de Dieu de ces coins ici qui attendaient déjà la venue de la Sainte-Église? Bon, tout ce qu'on peut promettre au peuple, c'est que d'abord, nous sommes contents de l'accueil. Et au-delà de l'accueil, ce que nous avons amené, c'est comme Pierre qui pouvait dire, je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te les donne. Ce que nous amenons, c'est le don que Dieu a donné à sa servante, la sœur Bété, qui reste juste en attente dans une expectative. Je sais que Dieu pourrait faire de grandes choses par la chanson. Merci beaucoup, Malade. Et voilà, mesdames, messieurs, donc c'est l'arrivée de la CRTT qui est avec nous. On va continuer avec vous, vous aurez des informations concernant son séjour ici à l'Est. La suite, c'est sur votre chaîne. Ma vie, tu n'as aucune raison de souffrir. Tu n'as aucune raison de patiner dans tes affaires. Tu n'as aucune raison d'échouer dans ta vie, car Christ a payé au double de ta dette. Et le châtiment qui était dans la paix est tombé sur lui. Ah, il a dit que par ses meurtrissures tu es guéri. Toi qui cherches le mariage, toi dont la stérilité persiste. Thank you.
ces concerts. On va commencer notre tournée à Béni. Donc nous serons déjà partis à Béni d'ici mercredi. Le premier concert aura lieu le 28 décembre et 28 novembre à Béni. Le deuxième concert aura lieu le 29 décembre, le 29 novembre à Boutembo. Et nous allons rentrer pour vous ici à Goma pour avoir un grand concert le 6 décembre. L'entrée est libre. Donc, ça sera la salle LG de Vito. À l'entrée de l'église Fauchet de Berlin. Ok, c'est là qu'on aura notre concert, ça sera le 6 à partir de 14h30. Nous aurons comme invité le pasteur Josué Tchona qui nous a accompagné depuis Kinshasa. Il n'a pas su être là parce qu'il apporte la parole quelque part ce matin. Et le pasteur Ezekiel de Bukavu sera avec notre frère Jack Aristide. Tu restes que le Seigneur vous bénisse. Ça, présence. Comme le pasteur va saluer, il dit comme un pasteur naturel. J'ai trouvé aussi quand on a trouvé naturel. Katika kinaganaga kabisa. Amen. Nous avions entendu parler. Tuliweza kusikia kizungumzia. Et maintenant nous. Lakini sasa tumechionea kwa macho yetu. Amen. Amen. Nous voulons te souhaiter la bienvenue. Tunataka kutakia ujumbe. Donnez-lui le micro. Donnez-lui le micro. Amen. Tu as fait un bon voyage. On parle au micro, c'est bon. Oui, pasteur. D'accord. Tu n'es pas très fatigué, j'espère. Non. Ça va être trop fatigant. Non. Bon, les gens que tu vois là t'attendaient comme ça. Ils t'attendaient comme ça. Alors, bon, on va d'abord faire le protocole. Amen. Je vais appeler la soeur Neville. Qu'elle vienne l'embrasser, la saluer pour tout Ephésien Tabernacle. Amen, amen. La soeur que vous voyez là, c'est une grande animatrice. Amen. Amen. Je l'apprécie beaucoup. C'est la première fois que tu es à Goma. J'étais là en 2009. Lors des campagnes de. 11 ans pratique. Lors des campagnes du pasteur Barouti. Oui, oui. Tu étais là. Effectivement. Qui camélique. Moi, j'étais l'organisateur des campagnes. J'étais dans la logistique. Je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Je suis très content de te voir aujourd'hui. Alors, bon, je voulais que tu nous lances d'abord un peu. J'ai la clé pour ouvrir.